Un règlement de compte en cours. Ce dimanche 2 juin 2024, l'ancienne star de Secret Story a brisé le silence sur son compte Instagram. Emily Fiorelli a publié une série de stories accablantes sur le comportement de son ancien compagnon Mebae Niang envers leurs deux enfants. Emily Fiorelli et Mebae Niang avaient officialisé leur relation sur les réseaux sociaux en 2016. De leur amour est née une adorable petite fille, prénommée Luna, le 22 avril 2018. Le couple a fini par se séparer quelques mois plus tard, avant de se retrouver en 2020. En juillet de la même année, leur histoire d'amour a pris fin à nouveau. Et le 26 août 2020, elle a donné naissance à leur second enfant, un petit garçon répondant au prénom de Pharrell. La relation entre les deux parents semblait complexe. L'année dernière, Emily Fiorelli expliquait qu'ils s'étaient finalement réconciliés pour le bien-être de leurs deux enfants. Le footballeur Mebae Niang a pourtant fait parler de lui ce dimanche 2 juin 2024, avec une story lunaire postée sur son compte Instagram et très vite supprimée. Après beaucoup de réfléchis, sic, j'arrête ma carrière de footballeur, a-t-il écrit. Une story notamment reprise par le site Afrique Foot. L'incompréhension était donc grande pour les fans du joueur. Son ex Emily Fiorelli est elle aussi sortie du silence la même journée, avec des révélations troublantes. Emily Fiorelli profère de graves accusations contre Mebae Niang. La jeune femme cesse d'abord d'y Sally est menacée malgré sa séparation avec le géniteur de ses enfants. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas l'état dans lequel j'ai pu être, il est temps pour moi de me libérer, prévient celle qui veut témoigner de la période vécue entre 2016 et 2024. La sœur jumelle de Loïc Fiorelli se défend, je ne l'ai jamais privé de ses enfants, monsieur raconte ça à ses amis. Ses enfants l'attendent toujours depuis mardi dernier. Dur pour moi de leur trouver des excuses. Mes petits cœurs, heureusement que maman est là, ajoute-t-elle. Emily Fiorelli profère aussi de graves accusations contre son ancien compagnon, leur géniteur préfère être chez une maquerelle connue des footballeurs. Sous ballon, alcool, Stilnox, prostituée, dans un état second. La jeune femme semble prête à en dire davantage dans les prochains jours. Cela fait 2 ans que j'y réfléchis. J'ai déjà pris un coup psychologiquement, j'ai envie que tout le monde, même le monde du football, sache. Il est temps pour moi de me libérer. Emily Fiorelli fait également état d'un comportement violent que Mebae Niang aurait eu à son égard. À suivre.